Joram. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour particulièrement aux enfants et aux jeunes. Bienvenue au milieu de nous. On est heureux d'être réunis ensemble. Le Seigneur nous invite. Il nous invite pour nous partager sa vie. D'abord en écoutant sa parole et ensuite à partager son pain. Prenons le temps d'accueillir cet appel comme un cadeau. Et je crois que vous êtes venus en plus avec vos caractères. Oui. Tu viens d'entendre. Non, vous n'êtes pas venu avec vos caractères. Probablement, je suis déçu. Alors, bon. Pour recevoir la bénédiction. La bénédiction du Seigneur, c'est-à-dire, bénir, c'est dire du bien. Mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette célébration. Alors, pour commencer, ben, on se rassemble comme ça à la messe. On commence en disant bonjour au Seigneur et en l'accueillant. Mais alors, notre manière de dire qu'on est accueilli par le Seigneur, c'est de se marquer du signe de son amour. On va demander aux grands de nous aider. Laissons-nous accueillir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amitié de Jésus-Christ, la tendresse de Dieu le Père et le dynamisme de l'Esprit soient toujours avec nous.
pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la louange du Seigneur. Seigneur.
soit avec vous. Et avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son esclave aura labouré, gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Il lui dira plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et bois, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers cet esclave d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Les apôtres, c'est-à-dire les plus proches compagnons de Jésus, le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Donc c'est ceux vraiment que Jésus a choisis pour être ses témoins, hein, ceux qui vont parler de lui. Il demande à Jésus, augmente en nous la foi. Et le Seigneur répond, si vous y aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde, est-ce que vous savez comment c'est un grain de moutarde? C'est tout petit, 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 petit. Un peu comme une tête d'épingle. Il y a un autre évangile qui en parle, qui dit que c'est la plus petite des graines et que ça donne le plus grand des arbres du jardin. Ça veut dire que si on avait la foi comme ça, eh bien, on serait capable de dire à un arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres? Et est-ce que vous croyez que c'est possible qu'un arbre il se déracine tout seul? Non. Ben alors, il raconte les gardistes de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples, ils disent, augmente en nous la foi. Autrement dit, on a un petit capital, on aimerait avoir un gros capital. Ou bien, comme vos parents qui vous disent peut-être en rentrant le soir, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Ils pensent que votre tête c'est un réservoir et ils voudraient que ce réservoir il soit le plus rempli possible. Ah, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme quand on apprend une langue et où en fait, ben, on baigne dedans petit à petit. On est de plus en plus à l'aise. Oui, ça pourrait être une image, mais c'est surtout que c'est la foi, c'est connaître quelqu'un et lui faire confiance. Et au fond, ce que les disciples, ce que Jésus essaie de faire comprendre aux disciples, c'est que s'ils faisaient confiance à Dieu, même ce qui est impossible, qu'un arbre se déracine, et à se planter dans la mer, ça serait possible. Autrement dit, la foi, ça nous permet de croire à l'impossible. Non pas au sens de choses magiques, comme un pouvoir tout puissant,
mais ça veut dire que ça nous permet de nous engager, de cheminer avec le Seigneur et de grandir avec lui. Et au fond, c'est pour ça que vos enfants, que vos parents, ils vous envoient, c'est qu'ils ont confiance en vous et ils espèrent que vous allez grandir, apprendre des choses pour pouvoir grandir en humanité. Et en cas d'échec, c'est pareil. Parce que connaître Jésus, ça demande du temps, ça demande d'apprendre un peu des choses, mais surtout de devenir familier de lui pour goûter sa parole. Et que petit à petit, elle devienne comme quelque chose qui habite en nous. Donc je vous lis rapidement la
mission de l'équipe animatrice. À l'équipe animatrice formée de ces personnes, de moi, je confie solidairement la mission de veiller à ce que les différentes communautés, avec la diversité de leurs membres, de l'unique communauté paroissiale, soient vivantes et missionnaires, et rendent les services que le Seigneur confie à son Église dans la ville ou dans les quartiers où elles sont implantées. Service de l'annonce de la foi et du témoignage, service de la charité, service de la louange de Dieu par la prière, par la pratique des sacrements dans l'espérance. Alors vous voyez que c'est une noble mission. Je vous en remercie de vous engager ou de servir, de renouveler votre bail pour 3 ans pour cette noble mission. Donc je vais remettre une lettre. Merci. Une lettre donc aux nouveaux arrivants. Donc il y a Marie. Il y a Katharina. Et Nidhi. Et puis donc il y a ceux qui renouvellent. Pas découragés, ils ont raison, pour 3 ans. Donc il y a Christelle, il y a les deux Christelle. L'autre Christelle n'est pas là parce qu'elle a enterré son papa cette semaine. Et puis il y a aussi la responsable de l'équipe de Marie-Claude. Et puis les gens et les gens de aussi à Patrice. Tout le monde a le droit. Patrice, lui, est toujours dans sa troisième année de le responsable, enfin, la mission de l'équipe diocésaine de l'équipe, c'est de vous soutenir et de vous former. On fera une formation d'ailleurs en mars, donc ceux qui peuvent venir sont les bienvenus. Et puis, vous, votre mission paroissienne de Fleury-Mérogis, c'est de soutenir cette équipe et de répondre à ses appels. Donc, vous pouvez les applaudir pour les encourager. Merci Bernard de cet envoi en mission. Merci à chacune et chacun. Portons ensemble cette responsabilité et nous essayons de le faire le mieux possible. Mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Vous voyez que c'est une équipe très diverse. D'abord, ils sont nombreux, c'est pas souvent, c'est bien d'être nombreux, mais ils sont très divers, il y a des mixtes. C'est pas toujours qu'il y a des hommes dans les équipes animatrices. Il faut le souligner. Bravo pour votre engagement. C'était l'équipe la plus dynamique et la plus jeune.
à lui répondre. Et nous avons deux manières de lui répondre. C'est d'une part ce que nous allons faire maintenant en confessant notre foi et puis nous prolongerons par la prière. Alors, nous appuyons les uns sur les autres dans la foi. Nous osons redire, je crois en Dieu, le Père, le Fils. Chacun.
Je demanderai aux enfants qui fassent partie de la catéchèse ou pas de venir avec moi à l'entrée de l'église pour la procession des offrandes et notamment pour enchaîner avec la bénédiction du cartable. Merci. Thank you.
des enfants, des jeunes, adultes, qui veulent par là même présenter leur travail, te demander de le bénir et de les accompagner dans ce qu'ils ont à vivre. Avec ces objets, Seigneur, nous osons nous présenter, nous aussi, devant toi, pour te dire que nous souhaitons marcher avec toi, nous offrir nous-mêmes à tes côtés. Nous avons besoin de toi et de ton esprit pour entrer dans cet esprit de service que tu es venu vivre et accomplir au milieu de nous. Nous te le demanderons pas. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme son homme. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix.
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant là au corps et au sang, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques et ton peuple tout autour. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions particulièrement Édith Maîtrise et Solange Georget. Joël Ajoulet, dont c'est le 9e jour du décès, et Lucas, et en même temps nous nous associons à l'action de grâce de sa famille qui se trouve rassemblée aujourd'hui, car il aurait eu 18 ans de plus. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et tous les saints qui ont fêté ta joie au nom de Dieu, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, la prière que nous allons dire, nous les grands souvent l'appelons la prière des enfants de Dieu. Alors je vous propose de poser vos prières. D'avoir les mains libres et vous l'avez entendu tout à l'heure, la foi c'est aussi des actes et le Seigneur il nous a donné deux mains pour ça, pour agir. Alors je vous propose que nous ouvrions les mains devant nous en les tournant vers le ciel comme pour faire monter davantage notre prière et ensemble nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas dans l'histoire, mais qui seulement une parole.
Quand on l'a fait pour la première fois, on a
encore une fois, justement, un grand signe de vous. Parce que le Seigneur, on va le confier à tout le monde, à chacun et chacune. Il nous rejoint là où nous sommes, quel que soit notre âge. La seule chose, tournez à gauche en sortant. Je vous invite à sortir et aller à gauche. Ne regretterai pas. Vous verrez pourquoi. Merci pour la préannonce. Toutes les informations sont sur la feuille jaune de secteur que vous trouvez à l'entrée de l'église. Et comme vous disait Bérive, effectivement, à la sortie de la messe, se tiendra aujourd'hui le coup de l'amitié. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes très bien. Je vais vous demander de prendre votre temps en sortant, qu'il n'y ait pas la cohue, que chacun puisse se servir tranquillement. Donc prenez votre temps aujourd'hui dimanche. Le temps n'est pas agréable, il n'y a pas de sortie de prévu. Donc prenez votre temps et partageons le mot de l'amitié. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix, dans la joie du Christ. J'invite les enfants à venir récupérer leurs sacs, cartables et trousses. Merci. Au revoir.